Est-ce que tu t'es déjà demandé comment développer une audience engagée sur Internet, avoir plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, et ça, peu importe la plateforme? Sans doute que oui. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui n'a pas marché. Alors je te rassure tout de suite, si c'est le cas, c'est pas de ta faute. C'est parce que la majorité des conseils qu'on voit sur Internet ne sont qu'une liste de techniques, d'astuces, de réglages, de hacks qui vont te permettre à court terme d'avoir un pic de visibilité, mais jamais d'obtenir de vrais résultats à long terme. Et c'est justement tout le contraire qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer les concepts, les stratégies et les fondamentaux à mettre en place aujourd'hui pour pouvoir créer une communauté engagée sur les réseaux sociaux et développer ton audience à long terme. Des techniques qui vont fonctionner au-delà des algorithmes, au-delà des mises à jour et surtout peu importe la plateforme sur laquelle tu souhaites développer cette audience aujourd'hui. Avant de démarrer et de te présenter la stratégie qui m'a permis de passer de 0 à plus de 200 000 abonnés sur les réseaux, j'aimerais te parler de mon livre Solopreneur, qui est encore disponible en précommande, que tu retrouveras juste en dessous dans la description. C'est un livre qui va t'apprendre à créer et développer un business en ligne au service de ta vie. Dans ce livre, on y parle évidemment de réseaux sociaux, de création de contenu, mais pas que. Je te montre aussi comment trouver ton idée de business, définir un positionnement différent, développer une communauté, créer ton offre et la lancer, générer tes premiers revenus et croître sur le long terme. Si tu as envie de profiter des différents bonus et de tenter de remporter une journée de coaching one-to-one avec moi, précommande le bouquin dans le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Le tirage au sort s'effectuera le 24 avril. Trêve de bavardage, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et tu vois, avec moi, j'ai un petit support. C'est un nouveau format que j'ai décidé d'amener sur la chaîne. C'est un petit peu comme une formation ce que je vais te faire ici, donc c'est très important que tu regardes jusqu'au bout puisque dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie en 3 étapes. Que j'ai mis en place. La première étape juste ici, ça va être ce qu'on va appeler le POC, le Proof of Concept. Cette première étape et ce premier cercle va te permettre de passer à la deuxième étape juste ici, qui est la fanbase, développer une audience de fans sur Internet. Et cette deuxième étape va te permettre de passer à la troisième étape, qui est juste ici, et qui est le scaling. Ça, c'est les 3 étapes par lesquelles je suis passé, par lesquelles tu vas passer aujourd'hui, pour pouvoir finalement développer une communauté engagée sur les réseaux. Et pourquoi je te parle de ces 3 étapes et pourquoi je te fais des cercles? Parce que c'est extrêmement important de comprendre un principe qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'effet levier. Si aujourd'hui je te demande de soulever un caillou qui est rond et qui fait 100 kg à la force de tes bras, il y a de fortes chances que tu me dises « Ok Tony, même si je suis un gomuscu, bon, c'est compliqué, j'y arrive pas. » Caillou de 100 kg, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Maintenant, si je te donne un bâton, ici on a le caillou, ici on a une petite rampe, et ici on a un bâton et donc un levier. Eh bien, en exerçant une petite force ici, qui est bien inférieure à celle nécessaire pour soulever le caillou de 100 kg, eh bien tu vas réussir, grâce à ce levier-là, à soulever ce caillou. Et c'est tout le concept de l'effet levier. C'est qu'avec beaucoup moins de force, d'énergie et de traction, on arrive à obtenir beaucoup plus de résultats. Et si je te parle de l'effet levier, c'est pas pour rien. C'est parce que depuis le début, je te montre 3 cercles juste ici. Eh bien, ces 3 cercles, c'est un concept d'effet levier. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux atteindre les mêmes résultats que moi et réussir à développer sur Internet une audience de plus de 200 000 abonnés, il faut surtout pas que tu sautes certaines étapes. Au contraire, il faut que tu profites de l'effet levier. L'effet levier, c'est quoi? C'est le fait de développer d'abord une audience de 100 personnes. Ces 100 personnes vont te permettre, vu qu'il y a un effet levier, force d'engagement et de traction, de toucher 500 personnes. Ces 500 personnes, force de traction et effet levier, vont te permettre d'atteindre les 1000 personnes, qui ensuite vont te permettre d'atteindre les 10 000 et qui ensuite vont te permettre d'atteindre peut-être les 100 000, voire même plus. Et c'est important de comprendre que pour activer cet effet levier, il va falloir passer par les 3 étapes qu'on a vues. Le proof of concept en premier, en deuxième la fanbase et en troisième le scaling, et exactement dans cet ordre et non l'inverse. Bien souvent, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, et évidemment on va le revenir tout au long de ce court vidéo, c'est des entrepreneurs qui se concentrent uniquement sur la 3e étape qui est l'étape de scaling. Et en général, c'est à cette étape qu'on va te dire « Oui, bah en fait, il suffit de poster 3-4 fois par semaine pour réussir, etc. » Oui, ça marche, mais à condition d'avoir respecté l'étape 1 et l'étape 2. Parce que si tu n'as pas un concept qui a été prouvé, donc un proof of concept, et une fanbase, une audience de base, qui va te permettre justement d'alimenter ce fameux effet levier pour passer de 100 abonnés à 200, puis 500 et puis 1000, eh bien tu peux poster autant de fois que tu veux sur les réseaux sociaux, ça ne t'apportera aucun résultat, et c'est sans doute quelque chose que tu as déjà vécu aujourd'hui. Donc, première étape du système, c'est ce qu'on va appeler du coup le proof of concept. En fait, il faut comprendre un élément fondamental de la réussite. Si tu regardes aujourd'hui,
100 entrepreneurs, 100 personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont, entre guillemets, un peu de succès. Eh bien, tu vas te rendre compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Il y a une trentaine, une quarantaine de méthodes différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un ici qui est sur YouTube et qui fait des vlogs. Il y en a un autre ici qui est sur Insta et qui poste des réels facecam. Il y en a un autre ici qui est sur Twitter et qui fait des threads. Il poste voilà, des conseils, etc. Ça cartonne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a une multitude de façons de réussir sur Internet. Et c'est pour ça que la méthode ultime n'existe pas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut trouver ton proof of concept. Parce que toutes les personnes qui ont réussi à trouver leur concept. Et leur concept, c'est quoi ? C'est pas forcément essayer d'inventer un truc. On te demande pas de réinventer la roue, de faire un truc qui n'existe pas. Le proof of concept, c'est, et on va y revenir évidemment, c'est une intersection entre deux éléments. Donc ici, on a le proof of concept. Et c'est une intersection entre ce dans quoi tu es bon et ce que tu aimes faire. Ok ? Et finalement, ce que veut le marché. C'est-à-dire ce qui fonctionne aujourd'hui. Parce que forcément, si on veut qu'il y ait un concept, il faut qu'il y ait une traction et donc une demande. S'il n'y a pas de demande, si tu fais des vidéos que personne ne veut regarder, ça va être compliqué de réussir. Et donc, à partir du moment où tu trouves ce croisement entre les deux, bon, ce que tu aimes faire et ce que veut le marché, tu auras ton concept. Et ce concept va varier en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu aimes, et ainsi de suite. Tout le problème et la question qu'on se pose, c'est « Ok, Tony, mais comment est-ce que je fais pour trouver un proof of concept ?» Parce que toi-même, t'as dit que précédemment, il y en avait plein. On pouvait faire des vlogs, il y avait YouTube, il y avait Insta, il y avait des réels. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté de trouver justement son fameux concept qui marche. Parce qu'il y a tellement de plateformes, tellement de formats différents, et c'est tellement personnel que ça peut paraître compliqué. Donc, tout l'intérêt de cet exercice, de ce que je vais te présenter juste ici, qui peut paraître au début un petit peu inutile, parce qu'on peut se dire « Mais à quoi ça sert de trouver un proof of concept ? Moi, Tony, je veux plus d'abonnés. » Oui, mais non. Parce que c'est justement cet élément-là qui va te permettre d'avoir la traction nécessaire pour aller chercher tes 100, tes 500, tes 1000 premiers abonnés. Pourquoi ? Parce que tu vas partir sur quelque chose qui fonctionne. Et on reviendra à la toute fin de ce court vidéo. Je vais te raconter du coup, moi, comment est-ce que j'ai fait mon histoire, entre guillemets, pour passer de 0 à 200 000 abonnés. Et tu verras que c'est uniquement à partir du moment où j'ai eu mon proof of concept que j'ai commencé à obtenir des résultats. Parce que le proof of concept, c'est trouver quelque chose, encore une fois, que tu aimes, dans quoi tu es bon et que veut le marché. Et donc, en d'autres mots, c'est de trouver quelque chose qui marche, qui a de l'attraction. Et c'est seulement une fois que tu as un truc qui marche et qui a de l'attraction, qui a de l'intérêt, les gens consomment le contenu et disent « Ok, ce contenu est bien », que tu peux aller chercher justement plus de trafic. Parce que à quoi ça sert d'aller chercher du trafic si déjà à la base, tu as un truc qui ne fonctionne pas ? À quoi ça sert d'essayer de vendre un produit que personne n'a envie d'acheter ? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est valider l'idée du produit. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, la question que tu te poses sans doute maintenant, c'est « Ok, Tony, mais comment est-ce que je fais ?» Comment est-ce que je fais pour trouver ce fameux proof of concept ? Le maître mot, ça va être de tester. Et je vais revenir après, parce qu'en fait, l'idée, c'est de tester, surtout au début, quand tu te lances, quand tu as quelques dizaines, centaines d'abonnés, ça va être de tester un maximum de choses. Donc, je reviendrai évidemment après sur les différents éléments qu'il faut tester, les plateformes, etc. Mais ça va être de réaliser un maximum de tests sur les différents concepts. Et je donnerai un chiffre juste après qui s'adresse notamment aux personnes qui sont plus en place, aux personnes qui ont déjà un business qui tourne, déjà des abonnés, etc., qui ont peut-être, 20 000 abonnés sur une plateforme. Je vais te donner la répartition à avoir entre tes contenus originaux et le nombre de tests que tu dois effectuer. Parce que les tests, c'est quelque chose à constamment chercher, constamment, perpétuellement, trouver de nouveaux concepts. Donc, ce qu'il faut tester, c'est, première chose, plateforme. Ici, c'est les différentes plateformes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu te lances pour trouver ton proof of concept, il faut que tu choisisses une ou plusieurs plateformes, que tu testes une ou plusieurs plateformes. Alors évidemment, des plateformes, il y en a plein. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a TikTok, etc. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de dire quelles sont finalement, parmi toutes les plateformes qui existent, les deux, les trois plateformes qui sont au croisement entre ce qu'on a, les deux éléments dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon et ce que veut le marché. Bon, clairement, le marché, en termes de plateforme, il a envie de toutes les plateformes. Voilà, il y a de la demande, il y a du monde sur toutes les plateformes, donc c'est surtout une question de ce que tu aimes et ce dans quoi tu es doué. Et donc l'idée, ça va être de dire « Ok, moi j'aime bien YouTube, j'aime bien consommer, j'aime bien regarder, donc pourquoi pas
tester YouTube. Instagram, c'est pareil, et peut-être LinkedIn, c'est aussi la même chose. Maintenant, il y a des chances que tu saches pas. C'est-à-dire que voilà, tu sais pas sur quelle plateforme te lancer, YouTube, tu sais pas si tu vas aimer, etc. Dans ce cas-là, tu vas te faire une liste de tests de 30 jours où tu vas tester YouTube, 30 jours où tu vas tester Insta, 30 jours où tu vas tester LinkedIn, etc. Et encore une fois, après, je reviendrai sur le pourcentage à respecter pour les entrepreneurs qui sont un peu plus avancés. Donc à partir du moment où tu te dis, ok, moi, pour tester un petit peu le proof of concept, je vais me dire, ok, je vais partir 30 jours à tester YouTube, et puis si jamais ça me plaît pas, je partirai 30 jours à tester Insta, je peux peut-être tester les deux en même temps. L'idée au début, c'est de passer peut-être 30, 60, 90 jours à vraiment trouver ce fameux proof of concept. Une fois que tu as choisi ça, tu auras un deuxième élément, donc on va descendre d'un niveau, admettons on va prendre Instagram, et bien il y a un deuxième élément qui va être non pas de tester du coup l'audience, mais de tester le format. C'est-à-dire qu'en fait au sein même d'une plateforme, il y aura différents formats. Ici tu as les réels, tu as les posts uniques, tu as les stories, tu peux accentuer dessus, etc. Et pour aller plus loin, au sein même finalement de ces différents éléments, au sein même de réels, tu peux faire des réels format vlog, tu peux faire des réels un peu ITV dans la rue, micro-trottoir, tu peux faire des réels facecam, etc. Donc l'idée, ça va être de dire, ok, parmi la plateforme que j'ai envie de tester, là, par exemple Instagram, c'est quoi tous les formats, angles, concepts, on peut rentrer un petit peu dans le même niveau, hein, tu vois, angle, format, concept, que j'ai envie de tester. Et donc l'idée, ça va être de dire, pendant les 30 jours qui sont devant moi, je vais tester ça, je vais tester ça, 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 et d'essayer un maximum de concepts. Donc par exemple ici, tu vas faire un vlog, ici tu vas faire un réel facecam, ici tu vas faire une ITV micro-trottoir, ici tu vas faire un autre vlog, mais peut-être dans un format qui est un petit peu différent, ici tu vas mettre, je sais pas moi, une musique tendance sur un fond un petit peu bizarre, ici tu vas tester quelque chose de plus humoristique, donc essayer des dizaines de formats différents. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on teste autant de choses? Pour aller chercher un seul et unique élément, et c'est l'élément justement qui va nous intéresser juste après, qu'on va nommer la traction. Ce qui compte ici, ça va être d'aller chercher de la traction. Mais avant ça, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce qu'on choisit, encore une fois, parmi ces différents formats, même principe que ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te semble intéressant? Qu'est-ce que tu veux tester en priorité? Parce que l'idée, c'est toujours d'aller chercher le croisement entre le marché et ce que tu aimes faire. Donc si ici, tu me dis, moi, j'adore les vlogs, facecam, ça me plaît, ITV, pourquoi pas? Voilà, il y a peut-être des centaines de formats différents, tu peux pas tous les tester, donc fais un choix de 20 formats que tu vas tester et que tu apprécies. Une fois que c'est fait, vient maintenant le moment intéressant, finalement. Tout l'intérêt du proof of concept, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir si oui ou non c'est un concept et si oui ou non c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on peut tester. L'idée, c'est pas de se dire, ok, c'est un proof of concept parce qu'il y a 10 000 vues, parce que j'ai gagné 10 000 abonnés, parce que j'ai gagné tant d'euros avec, parce que c'est compliqué d'avoir ces datas au début. Donc ce qu'il faut faire, c'est de dire, ok, à la fin du mois, ça fait 30 jours que je teste une vingtaine de formats, et bien je vais lister ici tous mes formats, tout ce que j'ai testé, je vais regarder les résultats, je vais voir le nombre de likes moyen, le nombre de vues, peu importe, t'essaies de prendre plein de datas différentes. Et ensuite, c'est quoi les 10, 20%, 30% qui ont le plus attiré mon attention, que j'ai le plus aimé faire, dans lequel je me suis senti le plus à l'aise, qui ont les meilleurs retours subjectifs et objectifs. Par exemple, alors celui-là, c'est le réel qui a le plus performé, il a fait, je sais pas moi, il a fait 3000 vues. Ok, donc très bien, celui-là, il a pas très bien performé, il a fait seulement 500 vues, mais par contre, derrière, j'ai reçu 30 DM de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, donc c'est aussi des datas qui sont importantes à prendre en compte. Et donc là, voilà, tu vas entourer peut-être, tac, 5-6 concepts différents. Ça, en fait, c'est un vlog, ça, c'est un vlog, ça, c'est un réel facecam, et ça, c'est un réel motivation. J'en sais absolument rien. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que, ok, on a un proof of concept. C'est-à-dire que là, maintenant, on a une preuve de concept, on a un truc qui commence à avoir de l'attraction, qui commence à être intéressant, parce qu'on se dit, on crée du contenu, et finalement, si on a ces résultats, c'est pas pour rien. Donc ce qui se passe, c'est que le mois d'après, on va continuer nos tests, et on va se dire, ok, je vais reprendre ça, 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 et ça, je vais en faire un melting pot de contenu, et je vais planifier mon mois suivant. Et dans mon mois suivant, je vais accentuer encore plus sur les formats qui ont de l'attraction. Et le mois suivant, pareil, celui-là a fonctionné, celui-là, celui-là. Normalement, il est censé avoir encore plus de contenus qui ont fonctionné. Parce que normalement, si tu prends le 20% de ce qui fonctionne et que tu le répliques, ça fonctionne encore mieux. Et pareil, même principe, le mois d'après,
on prend tout ça, on fait un melting pot et on republie. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu prends le 20% de ce qui a le mieux fonctionné pour en faire encore un 20% et encore un 20%. Et au bout de 2-3 mois, en général, tu te retrouves finalement avec plusieurs proof of concept. Donc l'idée de ce premier exercice, cette première étape de proof of concept, moi, je pense en tout cas, c'est d'arriver avec deux éléments. Premièrement, une plateforme, c'est-à-dire, ok, bah moi, YouTube, c'est mon proof of concept. J'ai testé Insta, j'ai testé LinkedIn, j'ai testé YouTube, et en fait, je me rends compte que YouTube, c'est là où déjà, moi, je prends le plus plaisir, c'est là où je suis le meilleur, et c'est aussi là, pour moi, où ça fonctionne le mieux, j'ai le plus de résultats. Donc déjà, proof of concept 1, la plateforme, et proof of concept 2, ça va être de choisir trois éléments, donc trois formats, donc format, angle, concept, t'appelles ça comme tu veux, mais l'idée générale est la même, et de me dire, bah en fait, voilà ce qui a le mieux marché. Donc, format numéro 1, c'est les vlogs, format numéro 2, c'est les high value vidéos, donc ce que je suis en train de faire, par exemple, actuellement, et concept numéro 3, c'est, je sais pas moi, les vidéos un petit peu backstage ou storytelling que je fais sur ma vie, j'en sais rien, les gens adorent ça. Et donc, tu vas tourner comme ça pendant plusieurs mois avec ces trois proof of concept. Et c'est tout l'intérêt des proof of concept, c'est que tu détermines justement ça. Et en fait, à partir du moment où on va passer notamment à la troisième étape de scaling, bah en fait, tu vas scaler quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que tu vas augmenter le volume de contenu qui fonctionne parce qu'on a le proof of concept. Et le fait d'augmenter un volume sur quelque chose qui fonctionne déjà, forcément, ça t'amène des résultats. Mais ça, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. J'aimerais parler d'un dernier élément qui est le fameux pourcentage dont j'ai parlé un petit peu au-dessus, de tests pour les personnes qui sont plus avancées. C'est-à-dire les personnes comme moi, par exemple, qui ont déjà une certaine audience, tu as déjà 10 000 abonnés, forcément, tu as déjà une plateforme, tu as déjà YouTube, tu vas pas reprendre tout depuis zéro, essayer une autre plateforme, et ainsi de suite. Non, ça, tu verras plus tard dans l'étape 3 comment tu scales de façon horizontale. Mais là, maintenant, l'idée, c'est de te dire quelle est la répartition des nouveaux concepts que je mets en place. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est celui-là. 20%. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est toujours important de garder continuellement, donc on va mettre 10-20%, c'est toujours important de garder continuellement des nouveaux concepts que tu veux mettre en place pour justement perpétuellement tester ça. Parce que comment savoir si ce que je suis en train de faire ici, les vidéos high value avec beaucoup de valeur et finalement les vidéos avec cette espèce de dessin que je fais là, comment savoir si ça marche et peut-être que ça va me rapporter une audience de malade si je ne teste pas. Donc si par exemple dans le mois tu fais 10 contenus vidéo, 10 podcasts, 10 ce que tu veux, eh ben il y a deux de ces contenus là, donc 20%, qui doivent être entre guillemets des nouveaux tests, des nouveaux angles, des choses différentes pour pouvoir continuellement mettre à jour tes proof of concept. Ok ? Donc maintenant qu'on a fait ça, on est arrivé à la fin de la première étape et on va rentrer dans le deuxième cercle. Donc ça, c'était le premier, le deuxième et le troisième. On va rentrer dans ce deuxième cercle qui est la fanbase. Pourquoi c'est que maintenant qu'on a la fanbase et qu'on va chercher à connecter avec notre audience? Parce que avant, notre seul intérêt, c'était de trouver quelque chose qui fonctionne. Encore une fois, même principe et métaphore que, par exemple, si tu avais un magasin de vêtements, donc ici, admettons, c'est un magasin de vêtements, il y a ta petite boutique, etc. Eh bien, ça ne sert à rien de vouloir ramener des personnes devant ton magasin, des milliers de personnes, si ce que tu vends à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose de totalement pourri que personne n'a envie d'acheter. Ok ? Ce qu'il faut d'abord, c'est être sûr que là, t'as déjà fait quelques ventes. Voilà, t'as vendu une cinquantaine de t-shirts. Ok, maintenant que t'es sûr que ça marche et que les gens aiment bien, on va chercher à amener du monde et avoir justement cette fameuse fanbase. Donc, il faut bien comprendre cet élément-là. Et l'autre élément qu'il faut bien comprendre, c'est la différence fondamentale entre fanbase et les followers, donc les abonnés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est avec et uniquement avec la fanbase qu'on peut créer de l'attraction. La fanbase, c'est des personnes qui vont avoir une relation forte avec toi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vraiment connecter, elles vont savoir qui tu es, comment tu t'appelles, c'est quoi tes valeurs, elles vont connaître ta personnalité, elles vont peut-être savoir où tu habites, dans quelle région tu es, ce que tu fais de ta vie, etc. C'est des personnes qui, très souvent, vont avoir un engagement qui est assez fort. Extrêmement fort, beaucoup plus en tout cas que cette partie-là, parce que encore une fois, c'est des gens avec qui tu as une relation qui est assez puissante, et si demain, il y a ton pote qui poste un truc sur les réseaux, tu auras tendance à liker beaucoup plus que si tu es un inconnu. Donc d'où l'intérêt de la relation et de l'engagement. Et c'est des personnes, surtout, qui vont consommer ton contenu. Donc parfois, et tu le verras notamment sur YouTube ou le podcast, les gens n'engagent pas forcément publiquement, c'est-à-dire qu'ils vont pas mettre de like ou de commentaire ou de partage, par contre, ils vont consommer et ils vont rester beaucoup plus longtemps que la moyenne. Alors que un follower, c'est peut-être une personne qui t'a connu
connu sur un poste où t'es passé comme ça, t'as fait un peu de pub, t'as fait un réel qui a fonctionné, il y a pas de relation parce que la personne te connaît pas en amont, elle a pas pu connecter avec toi. Il y a beaucoup moins d'engagement, c'est-à-dire que t'as beaucoup moins de traction forcément parce que les gens engagent beaucoup moins et il y a beaucoup moins aussi de consommation. Les gens restent beaucoup moins longtemps. Et donc tout l'intérêt de la fanbase, c'est ça, c'est d'avoir de la relation, de l'engagement et de la consommation pour augmenter finalement la traction. Et donc plus tu as une fanbase, donc si tu as 100 personnes qui te suivent ici, ces personnes-là, il y en a 50% qui engagent avec tes contenus, ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui interagissent, et ben ça va te permettre de toucher 150 personnes. Encore une fois, si à 50% de ces 150 personnes qui interagissent, ça fait 75, et ça va te permettre d'atteindre les 300 abonnés et les 300, etc. Donc c'est un cercle vertueux qu'on se crée en augmentant à chaque fois la fanbase qui nous permet de monter. C'est comme un petit escalier à chaque fois. L'étape du dessus qui n'est pas très haute, tu vois, mais on passe de 100 à 200, à 400, à 600 et ainsi de suite jusqu'à atteindre des moments, par exemple à 1000 abonnés sur Insta où on peut commencer 1000-2000 à scale et à passer à l'étape 3. Donc maintenant, la question que tu te poses sans doute, encore une fois, bah c'est comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour créer cette fameuse fanbase, cette communauté qui va interagir avec nous ? Eh bien, il y a 4 éléments importants. Le premier élément, ça va être l'élément de connexion. C'est-à-dire à quel point tu vas connecter avec les personnes qui vont te suivre. Et plus la connexion est importante, donc pourquoi connecter ? Parce que plus la connexion est importante, plus la relation est importante. Et plus la relation est importante, plus l'engagement le devient. Et comme on le disait précédemment, plus il y a d'engagement, plus il va y avoir de traction. Ok ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour connecter avec son audience ? Il y a différentes choses assez importantes, mais c'est ni plus ni moins. Tout est en rapport avec un élément. C'est le temps. C'est donner du temps aux gens. Pourquoi ? Parce que si tu donnes du temps aux gens ou tu leur montres de l'intérêt, donc temps, intérêt, en général, donner de l'intérêt, c'est donner de son temps, donc ça revient au même, eh bien, les gens vont te le rendre, encore une fois, avec de l'engagement et de la relation. Comment est-ce qu'on donne du temps aux gens ? Eh bien, on est dispo par DM, on répond avec des voices, et c'est des choses qui sont largement faisables au début, quand on a moins de 500 abonnés, d'où l'importance de le faire, parce que c'est un truc qu'on pourra difficilement faire plus tard. On répond, évidemment, aux commentaires. On interagit très régulièrement tous les jours en story, même si ça, c'est un point qui est un petit peu différent, mais ça fait partie aussi de la connexion avec l'audience. On prend en compte leur feedback, c'est-à-dire que si les gens te font un feedback sur une vidéo, un truc, etc., peut-être qu'ils disent « voilà, moi j'adore ce format, peut-être que tu peux le mettre en place bah, », le fait d'écouter et de le mettre en place va créer justement ce temps-là, tu leur donnes du temps, tu leur accordes de l'intérêt, et encore une fois, ça alimente la relation. Si ça alimente la relation, ça alimente l'engagement, et si ça alimente l'engagement, eh bien, ça améliore finalement les résultats que tu peux obtenir. Et donc ça, ça paraît hyper anodin, mais c'est quelque chose que font très peu de personnes. Moi, je le vois. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de 500, 1000 abonnés sur Insta, 500 000 abonnés sur YouTube et qui ont quasiment aucune interaction avec leur audience. Et malheureusement, bah, si aujourd'hui tu as cette communauté-là et qu'il n'y a pas de traction parce que tu ne prends pas soin des gens qui sont déjà là, ça sera impossible de monter l'escalier du dessus et de monter l'escalier d'après. Et donc de scaler et de commencer à avoir de vrais résultats. Donc c'est vraiment la première étape pour créer une relation, c'est de faire cette chose-là. La deuxième étape, ça va être d'être authentique. Donc l'authenticité, c'est quoi ? C'est pas forcément raconter ta vie, c'est pas forcément montrer des choses que t'as pas envie de montrer sur Internet. Être authentique, à mon sens, c'est deux choses. C'est avoir une présence qui est régulière. Pourquoi ? Parce que le côté présence régulière va te permettre, en fait, c'est pas le fait d'être régulier qui te rend authentique, mais le fait d'être régulier te permet, en général, de créer plus de contenu, te permet donc de passer plus de temps avec les personnes, et au travers de ce temps-là, bah, ça crée l'authenticité, parce que les gens ont, en général, tendance à beaucoup plus te connaître. Parce que bah, si moi, t'écoutes des podcasts à moi, des dizaines et des dizaines d'heures avec moi, t'auras forcément beaucoup plus l'occasion de me connaître, et il y aura beaucoup plus ce sentiment d'authenticité. Et quand je parle de régularité, attention, ça veut surtout pas dire, par exemple, hop, 1, 2, 3, voilà, ça c'est semaine 1, ça c'est mes vidéos YouTube, semaine 2 et semaine 3, et en fait, je donne tout ici, et j'ai plus rien ici, parce que je suis cramé. La régularité, c'est semaine 1, j'ai une vidéo, semaine 2, j'ai une vidéo, semaine 3, j'ai une vidéo, semaine 4, hop, j'ai une vidéo et j'ai une vidéo. Donc c'est important de comprendre la différence entre les deux. Et le deuxième élément, comme ça, de l'authenticité,
ça va être surtout au niveau des sujets. En fait, traiter certains sujets, et quand on parle de sujets, encore une fois, c'est des sujets perso, mais c'est pas forcément raconter ta vie, c'est surtout raconter ta vie toujours en rapport, et je mets des guillemets parce que c'est important de le comprendre, en rapport avec ta thématique. C'est pas raconter ta vie perso et parler de tes parents, tes enfants, etc. C'est raconter ta vie en rapport avec ta thématique. Donc, ça peut être les échecs que t'as connus, ça peut être les apprentissages que t'as eu aussi dans ta thématique, ce que t'as essayé de mettre en place qui a pas marché ou qui a marché. Bref, c'est tous les éléments qu'on va appeler des éléments plutôt de backstage, qui finalement permettent de comprendre un petit peu mieux qui tu es, ce que tu fais, et qui permettent de créer comme ça cette authenticité. Et autre élément H ici pour honnêteté, parce que les deux sont fortement liés. Les deux derniers éléments qui sont liés, donc je les mets ensemble, c'est les valeurs. Les valeurs, et ici je vais mettre prenez, tu vas voir pourquoi juste après. Pourquoi je parle de valeurs? Parce que, et j'en parle dans mon bouquin, encore une fois, dispo en précommande en dessous, les valeurs, en fait, c'est aujourd'hui ce qui rassemble le plus une communauté. Et tu peux le voir dans une thématique qui est assez intéressante à observer, c'est la thématique des théories du complot. Pourquoi? Parce qu'en fait, les théories du complot, même s'il n'y a pas des centaines de millions de personnes qui y croient, il y en a bien souvent des millions, voire des dizaines de millions, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un sentiment en fait de tribu qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent à se convaincre entre eux que les aliens existent, que machin, que truc, peu importe. Et pourquoi est-ce qu'il y a un sentiment de tribu qui est aussi puissant? Parce que tout est basé autour de l'idéologie principale et des valeurs, en fait, valeurs, idéologie. Et donc, ce que tu dois faire finalement dans tes contenus, c'est ça. C'est arriver à trouver une idéologie commune, des valeurs communes que tu vas véhiculer et qui vont permettre finalement à ton audience de se retrouver en toi et de créer finalement cette fameuse tribu. Et deuxième élément, on en parlait avant, c'était de partager ces valeurs, de partager, de les prôner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des valeurs sans vraiment le savoir. Par exemple, bah voilà. Toi, tu as peut-être une valeur d'honnêteté, tu as peut-être dans la thématique du sport une valeur de non-frustration, c'est-à-dire que toi, en fait, tu as envie de faire du sport, mais tu n'as pas envie de te frustrer parce que tu ne comprends pas l'intérêt. Peut-être que ta valeur dans le sport, c'est ce qu'on appelle « kick ass in 19s ». Donc en gros, moi, ce que je veux dans le sport, c'est pas être fit cette année, c'est pas avoir des tablettes de chocolat aujourd'hui, c'est pas faire de la compétition, c'est que je veux, quand j'ai 90 ans, être en bonne santé. Et peut-être que ça, c'est tes valeurs, et c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que tu vas attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tu les partages pas assez. Parce qu'elles sont là, enfouies dans un coin de ta tête, et t'en parles pas. Donc d'où l'intérêt, une fois que t'as défini des valeurs, t'en as défini trois principales, et bien de les partager. Donc les partager au travers de tes contenus, les partager au travers de tes actions et les partager finalement au travers de tes différentes plateformes. Donc ça peut être ton site, bref. Comment est-ce que tu arrives à retranscrire les valeurs qui sont importantes pour toi? Et par exemple ici, ben, si tes valeurs c'est ben, en fait moi j'ai envie de kick-ass dans mes 90 ans, eh bien tu pourrais faire un contenu qui pourrait extrêmement bien marcher. Je te donne juste une idée, c'est pourquoi est-ce que je ne squatte pas? Pourquoi je squatte pas et pourquoi je déconseille aux gens de squatter? Et là, forcément, Fury, il y a plein de gens qui vont dire « Mais oh, tu dis n'importe quoi, il faudrait que tu squattes parce que c'est un mouvement très important et tout. » Mais toi, ta théorie, c'est quoi? C'est qu'en fait, oui, c'est un super mouvement. Le problème, c'est que 90% des gens ne savent pas squatter, ce qui font que c'est des personnes qui, à force, auront mal au dos. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour essayer d'avoir des fesses, alors qu'au final, on pourrait très bien obtenir les mêmes bénéfices sur la santé avec un exercice qui est beaucoup moins complexe à mettre en place et accessible à beaucoup plus de personnes. Et toi, bah c'est, ça soutient en fait ta théorie de base qui est de dire « moi je veux kick-ass in my 90s ». Donc ça, c'est vraiment des choses que tu peux faire et qui créeraient finalement la connexion avec l'audience. Donc dans les contenus, dans les actions, par exemple si aujourd'hui bah, justement tu as cette idée de valeur et d'honnêteté, eh bien il ne faut évidemment pas faire des choses qui vont à l'encontre de ça et sur ton site et différentes plateformes. Et donc là, on se retrouve avec nos deux cercles qui sont remplis. On a le premier cercle ici où finalement on a le proof of concept, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre des concepts qui sont intéressants. Deuxièmement, on a le principe de fanbase, c'est-à-dire que maintenant, ok, j'ai compris que j'avais un concept qui allait marcher, j'ai commencé à créer du contenu évidemment sur le sujet, et deuxièmement, je vais connecter constamment et perpétuellement avec mon audience, ce qui fait qu'en fait, bah, je crée du contenu, j'ai réussi à avoir mes 100 premiers abonnés, mes 500 premiers abonnés, avec ces personnes-là, j'ai évidemment fanbase connecté avec eux, j'ai créé une relation, j'ai passé du temps avec eux, je leur ai donné de mon temps, j'ai partagé aussi mes valeurs, etc. Ce qui m'a permis de prendre finalement cette traction-là, parce qu'en fait, il y a quasiment à chaque fois 200 personnes qui interagissent sous mes contenus, donc ce qui fait que je suis passé de 500 à 1000, parce que voilà, j'ai beaucoup d'interactions, et bien je continue
à alimenter la fanbase ici pour continuer à créer de la relation. Et ça, ça me permet de passer de 1000 à 2000 et ainsi de suite. Tout ça, pourquoi ? Pour passer du coup à notre troisième étape, qui est l'étape numéro 3 ici de scaling. Et je sais que c'est l'étape qui va intéresser le plus de personnes. Et pourquoi est-ce que du coup c'est maintenant qu'on va scaler ? Tout simplement parce que, encore une fois, le scaling vient uniquement, donc si je reprends mon magasin, le scaling vient uniquement après tout ça. Après qu'on a un proof of concept et après qu'on ait une fanbase qui fait qu'on commence à avoir de l'attraction et de l'interaction. Aujourd'hui, pour faire simple, il existe deux formats de scaling. On va voir ce qu'on appelle le vertical scaling, donc le scaling vertical et le scaling horizontal. Le scaling vertical, il y a deux formes de scaling à l'intérieur et ça va toujours, en général, concerner le contenu. Premièrement, juste ici, on va avoir le fait de créer du bon contenu. Donc je vais mettre ici good content. Et le deuxième, ça va être de créer plus de contenu ici. Mais toujours, le vertical, c'est toujours sur la même plateforme initiale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et je vais te prendre un exemple pour que ce soit parlant, si aujourd'hui tu as une chaîne YouTube, donc ça c'est ta chaîne YouTube, si aujourd'hui tu as envie de scaler, parce que tu es arrivé à la troisième étape, tu as envie de scaler verticalement ta chaîne, premièrement, il faut que tu ailles chercher le maximum que tu puisses faire sur la qualité. Par exemple, tes vidéos, bah, tu vas augmenter la qualité du script, faire en sorte de scripter mieux tes vidéos, augmenter la qualité de la miniature, augmenter la qualité du SEO, augmenter la qualité du titre, faire en sorte que ça, ce soit toujours mieux, de mieux en mieux, et toujours avec cette quantité de départ initiale de une vidéo par semaine. Ça, il ne faut surtout pas le bouger, à partir du moment où on a encore de la marge ici. Quand tu sens qu'ici, tu n'as plus de marge, parce que tu arrives vraiment à tes meilleurs scripts, tes meilleures miniatures, ton meilleur SEO, tes meilleurs titres, tes meilleurs concepts, on va utiliser la deuxième méthode, toujours dans le scaling vertical, pardon. On va tester la deuxième méthode, et cette deuxième méthode, c'est quoi ? C'est de publier plus de contenu. Évidemment, toujours si la qualité est au rendez-vous. C'est-à-dire que si tu publies plus de contenu pour diminuer la qualité, on arrête tout et on reprend la qualité. Mais à qualité égale, eh bien le fait de passer à 2 vidéos par semaine, ça va forcément te permettre de scaler de façon verticale. On est toujours sur YouTube, on publie toujours nos vidéos sur YouTube parce que, encore une fois, on profite de la traction qui existe déjà pour aller chercher plus d'audience. Et donc la deuxième méthode, une fois que tu as scalé verticalement, il faut scaler horizontalement, c'est-à-dire le scaling horizontal. Et le scaling horizontal, c'est quoi ? C'est justement, on sort de YouTube, c'est-à-dire que ça, c'est notre chaîne YouTube, et on va scaler de façon horizontale avec des nouvelles plateformes. Insta, ici on va voir TikTok, ici on va voir LinkedIn, et ainsi de suite. Donc évidemment, tu le fais tranquille, tu fais d'abord Insta, tu scales, ensuite TikTok, et ensuite LinkedIn, etc. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de scaler de façon horizontale ? Parce qu'en fait, le marché ici, c'est un marché qui est presque 90%, donc à 90%, il est nouveau. En gros, c'est très rare que les gens te suivent sur YouTube et en même temps sur Insta et en même temps sur TikTok et en même temps sur LinkedIn. Parce que YouTube et LinkedIn, c'est deux plateformes totalement opposées. Et donc en fait, là, tu vas t'ouvrir à un tout nouveau marché, ce qui va te permettre, si en général, tu as un plafond de verre ici d'audience, de paf, péter le plafond de verre et péter le plafond aussi de verre des résultats. Donc comment est-ce qu'on scale de façon horizontale ? Eh bien, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut utiliser l'IA. Il y a deux outils que je te recommande. Le premier, c'est un outil qui s'appelle Submagic, qui te permet de sous-titrer tes réels, de sous-titrer en des vidéos verticales. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que ça va te faire gagner 10 fois le temps que tu mets à sous-titrer du contenu. Et donc, ça te permet de poster facilement sur TikTok, Insta, YouTube Short, 3 posts par semaine. Et le deuxième élément, c'est Opus Clip. Donc, c'est un élément qui te permet, à partir d'une vidéo YouTube longue, par exemple, tu as une vidéo YouTube qui fait une heure, eh bien Opus Clip va automatiquement couper comme ça plusieurs extraits, une quinzaine d'extraits, et tu vas pouvoir publier ça directement sur d'autres plateformes. Donc premier élément, c'est l'IA. Deuxième élément, ça va être, donc deuxième méthode, ça va être la délégation. Et déléguer, tu peux le faire de deux façons différentes. Soit une personne va créer du nouveau contenu, c'est-à-dire que la personne, elle va créer des nouveaux posts. Donc en gros, toi, il y a ta chaîne YouTube qui est ici, tu postes tes vidéos et tu vas recruter une personne qui va, par exemple, ajouter à ces vidéos-là, donc une fois par semaine, qui va poster 3 fois par semaine sur LinkedIn.
Donc tu vas lui dire, voilà, cette semaine sur LinkedIn, j'ai envie que tu postes ce contenu-là, ce contenu-là, ce contenu-là. Tu vas lui donner les idées, elle, elle va rédiger, elle va mettre en forme, elle va poster, ce qui permet du coup de scaler. Ou autre méthode, c'est qu'elle ne va pas créer des nouveaux posts, mais elle va recycler. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que tu peux recruter une personne, lui dire « Ok, donc moi, c'est simple, j'ai une cinquantaine de vidéos YouTube proof of concept qui marchent toutes très bien. Et bien, ce que tu fais, c'est que tu prends cette vidéo-là et je veux que tu en sortes 3 posts LinkedIn ou 3 shorts Insta ou ce que tu veux. Et c'est une personne qui va pouvoir bah, justement partir de ces contenus qui marchent bien, extraire d'autres contenus et recycler pour pouvoir optimiser finalement la création et maximiser les résultats. Et donc, on a nos 3 étapes, et je vais te montrer moi comment est-ce que je les ai mis en place. On a nos 3 étapes ici. Premièrement, le proof of concept. Une fois qu'on a la base du proof of concept, on a un truc qui fonctionne, on va chercher le concept de fanbase. Et une fois qu'on sent qu'on a de la traction, qu'on a une audience qui est là, une base, on va chercher finalement le scaling. Et on va évidemment, en scalant, continuer à alimenter la fanbase pour pouvoir profiter de ces fameux escaliers et ce fameux effet levier. Et pour terminer sur mon exemple, comment j'ai fait pour passer de 0 à 200 000 abonnés, et bien ce qui s'est passé, c'est que premièrement, mon proof of concept, ça a été de tester plein de plateformes différentes. J'ai testé le podcast, donc j'ai fait en tout une 20aine d'épisodes au début. J'ai testé YouTube avec plus de 180 vidéos à mon actif. J'ai testé Instagram avec environ 3 posts par semaine pendant plusieurs semaines. Et j'ai aussi rédigé près de 99, une centaine d'articles de blog les 6 premiers mois, la première année. Et en fait, j'ai fait le même constat de ce proof of concept, de me dire, ok, bah en gros, la plateforme sur laquelle j'ai le plus de traction, c'est YouTube, et en même temps, bah, c'est celle sur laquelle j'ai créé le plus de contenu, c'est là où je suis le meilleur, c'est ce que j'aime le plus, donc tant mieux, coïncidence ou pas, rarement des coïncidences là-dessus. Et donc sur YouTube, bah, finalement, c'est quoi mes proof of concept ? C'est quoi sur les 180 vidéos que j'ai publié les éléments qui fonctionnent le mieux? Eh bien, j'ai Insta qui est ressorti, j'ai les vidéos sur la création de contenu et sur le dev perso, et donc j'ai pris ces 3 éléments-là, et je me suis dit, ok, bah mon proof of concept 1, c'est Insta, mon proof of concept 2, c'est tel truc, et 3, c'est tel truc. Et donc j'ai pris ces formats-là, et j'en ai recréé d'autres contenus. À ce moment-là, je suis passé à la deuxième étape, et donc à la fin de cette première étape, j'avais seulement 200 abonnés. Je suis passé à la deuxième étape de me dire, ok, maintenant que j'ai le proof of concept, je vais pouvoir me concentrer sur le fait de créer encore plus de contenu comme ça. Et en même temps, bah, je vais engager perpétuellement avec mon audience pour avoir cette fanbase. Petit à petit, je suis passé de 150 abonnés à 500. Donc les 150 abonnés, j'ai mis presque 6 mois à les avoir. Les 500, j'ai mis moins de 2 mois. Et ensuite, les 2000, j'ai mis moins de 2 mois. Donc tu vois en fait que ça fait comme ça et ça accélère extrêmement vite. Et une fois que je suis arrivé à peu près à 2000 abonnés sur YouTube, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur le scaling, notamment le scaling vertical où j'ai posté plus de vidéos. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi au fil des années à développer une communauté de plus de 200 000 personnes sur les réseaux, et voilà comment est-ce que tu peux implémenter les mêmes concepts. Si ce que je t'ai enseigné dans cette vidéo t'a été utile, si t'as trouvé que c'était intéressant, bah fais-le moi savoir en commentaire juste en dessous. Je ferai d'autres vidéos avec ce format-là qui est assez sympa, et surtout, je vais beaucoup plus loin évidemment dans mon livre. On parle de réseaux sociaux, on parle de création de contenu, on parle de comment choisir ses plateformes, comment créer du bon contenu sur Internet, et on couvre plein d'autres sujets, comment trouver son idée de business, son positionnement, comment créer une offre rentable, comment la lancer, la vendre, générer ses premiers revenus et scaler les résultats de son business. Pour le précommander et recevoir tes bonus, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.